Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu encore pour ta présence ce matin, ce soir. Que le Seigneur soit glorifié avec cette une minute pour le Seigneur, une minute de solution, une minute de gloire, une minute d'édification, une minute de la parole. Que le Seigneur te bénisse pour ces temps favorables. Aujourd'hui, nous allons parler encore dans le livre de Luc. Nous allons parler dans le livre de Luc, cette histoire que tu connais bien. Nous connaissons cette histoire de cet homme qui était fou à Gadara. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 31. C'est vraiment long, mais on va essayer un peu de lire les versets. La Bible dit, j'ai lu la parole de Dieu. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tout fut saisi de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Ils commandaient avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortaient. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, la Bible nous parle de cet homme qui était fou, cet homme qui était isolé par les démons. C'était cet homme où les démons ont fait de sa vie leur maison, leur propriété privée. Cet homme était égaré. Cet homme ne vivait pas dans la ville normande, mais il était parti dans un cimetière. Il était isolé quelque part parce qu'il était habité avec des démons. Parce que les démons avaient pris le contrôle, la possession de la vie de cet homme. Mais la Bible dit, lorsque Jésus se présenta devant cet homme, les démons ont reconnu Jésus-Christ. Lorsque les démons ont vu Jésus, ils avaient eu peur. Lorsque les démons ont vu la présence de Dieu, ils ont crié. La Bible dit, les esprits des démons impurs s'écrièrent d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Ils ont compris que lorsque Jésus est venu, c'était la fin de leur règne. Lorsque Jésus est venu, ils ont compris que cet homme allait être délivré. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Christ vient dans ta vie, les choses vont changer. Peut-être que tu es dans cet état parce que Christ n'est pas encore venu, parce que Christ n'est pas encore là, parce que tu n'as pas encore reconnu Christ. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus. Peut-être que tu vois comment les gens adorent Jésus. Peut-être que tu vois comment les gens servent Jésus. Mais toi-même, tu n'as pas encore donné l'accès. Toi-même, tu n'as pas encore donné la vie à Jésus. C'est pourquoi tu es dans cette situation. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu nous perdre. Les démons ont reconnu. Mais beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas reconnus à Dieu. Beaucoup de gens prêchent la parole. Nous prêchons la parole, nous chantons pour Dieu, mais il y a des gens qui sont connus seulement dans le monde, mais beaucoup des autres aussi cherchent à connaître tous les démons. Il y a des gens qui cherchent à connaître les doctrines des démons. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent le mariage. Il y a aujourd'hui des gens qui cherchent l'élévation, mais ils ne veulent pas connaître la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Ils ne veulent pas savoir qui est Jésus. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens veulent toujours de vite fait. Ils ont besoin de miracles, mais ils n'ont pas besoin d'apprendre Jésus. Ils ont besoin de miracles, mais ils n'ont pas besoin de connaître la volonté de Dieu. Mais ils ont besoin de mariage. Ils veulent de sa vie, mais il ne veut pas apprendre qui est le mariage, c'est quoi le mariage, quel est l'objectif du mariage, quel est le but du mariage. Mais il cherche le mariage, il donne des offrandes, il donne des dîmes, il écoute des prédications, il est à la recherche d'un homme. Mais bien aimé, tu dois savoir c'est quoi le mariage, tu dois savoir c'est quoi Jésus, c'est qui
Jésus. C'est quoi le royaume? Et c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout viendra par-dessus. Alléluia. Aujourd'hui, on a des gens qui vont à l'église, mais on ne reconnaît pas Christ en eux. Or, la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Dieu. Lorsque tu es quelqu'un de l'église, lorsque tu es un disciple, les gens doivent reconnaître les choses de Dieu en toi. Les gens doivent reconnaître la différence entre toi et les autres. Les gens doivent reconnaître la parole de Dieu en toi. Parce qu'un vrai disciple, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui amène la paix. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui parle de son maître. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté des hommes, mais c'est quelqu'un qui marche dans la volonté de son maître. Alléluia. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Beaucoup de gens veulent d'autres choses, mais ils ne veulent pas suivre Christ. Beaucoup de gens adorent le Seigneur, mais leur comportement, leurs habitudes ne faites même pas le royaume. C'est pourquoi la Bible déclare, aujourd'hui, on a un mélange. Le mélange est partout. Dans les services de Dieu, il y a le mélange. Dans la musique, il y a le mélange. Au marché, dans la politique, les gens ne comprennent plus qui est qui. Il y a des opposants à la majorité. Il y a des majorités dans l'opposition. Il y a un mélange partout. C'est pourquoi la Bible déclare, vous verrez différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est Dieu qui déclare cette différence. Il déclare cette différence. Vous le verrez, c'est temps de la paix. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Aujourd'hui, tout est mélangé. Aujourd'hui, les faux dominent. Mais je dis toujours, malgré le faux domine, laisse-moi te dire, le vrai existe. Il y a le vrai. Le vrai. Sans tenter de regarder beaucoup les faux. Aujourd'hui, on a beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Oh yes. Aujourd'hui, il y a un mélange total. Bien, mais on ne comprend plus qui est serviteur, qui n'est pas serviteur. Qui est disciple, qui n'est pas disciple. On a des faux serviteurs, on a des faux pasteurs, on a des faux prophètes, on a aussi des faux disciples, on a aussi des faux membres des églises, on a aussi des faux adorateurs, on a les vrais adorateurs. Mais chaque chose, il y a toujours les vrais et les faux. Mais Dieu dit, à ce qui concerne ces choses, Dieu lui-même va se reconnaître. Dieu lui-même a mis ces choses en elle. Et ces gens-là vont représenter Dieu, parce que les fruits de l'Éternel, parce que les fruits de Dieu sont représentés par ces gens-là. Alléluia. Il y a une différence. Lorsqu'ils ont mis Christ, ils ont vu Christ, bien aimé, les démons étaient troublés, ils ont dit non. Bien aimé, il faut que en tant qu'un enfant de Dieu, partout tu vas partir, tu dois apporter la lumière, tu dois apporter le changement, même dans ta famille, il faut apporter un plus, parce que ce qui appartient à Dieu, bien aimé, il y a toujours la différence. Un homme de Dieu ne peut pas insulter les gens. Un homme de Dieu ne peut pas parler de langage compliqué. Un homme de Dieu ne peut pas parler des insanités devant les gens. Un homme de Dieu ne peut pas critiquer, ne peut pas chercher à détruire les autres. C'est ça la différence. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Tu es appelé à rassembler. Tu es appelé à unir. Tu es appelé à tenir. Tu n'es pas appelé à détruire. Alléluia. Oh, les démons ont compris que si Jésus-Christ vient, parce que la Bible dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Ce jour-là, c'est notre fin. C'était la fin. Bien, mais lorsque tu vas là où il y a des problèmes, il faut apporter la paix. Il faut apporter Christ. Il faut apporter sa marque. Lorsque tu vas là où il y avait des disputes, il faut qu'il y ait la paix. Bien, mais là, le Seigneur, Dieu a fait de nous la différence. Nous devons marquer la différence. Ce qui sert Dieu, tu dois être différent avec les autres. Toi qui sers Dieu, tu dois être différent. Toi qui chantes, en tant qu'un disciple, parce que Dieu nous reconnaît comme des disciples, comme ses amis, nous devons marquer cette différence. Mais nous devons avoir la différence.
Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un calomniateur. Et celui qui sert Dieu ne peut pas être un buveur du vin. Celui qui sert Dieu ne peut pas être un prostitué. Celui qui sert Dieu ne peut pas être un destructeur. Celui qui sert Dieu ne peut pas être un orgueilleux. Celui qui sert Dieu ne peut pas être un hautain. Celui qui sert Dieu a des qualités qui est différent. Celui qui sert Dieu a la nature de Dieu. Celui qui sert Dieu parle comme Dieu. Celui qui sert Dieu marche selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oh yes. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui est en train de conduire ma vie. C'est Christ qui est en train de diriger ma vie. Oh bien, mais pourquoi Christ était trop puissant? Parce qu'il passait le temps dans la prière. Il passait le temps dans la prière à chercher la volonté de Dieu, à chercher qu'est-ce que le Père veut. C'est pourquoi il nous a dit de chercher premièrement le royaume. Ne cherche pas d'autres choses, car d'autres choses, tu peux rester le royaume à cause d'autres choses. Mais premièrement, cherche la justice de Dieu, car celui qui sert l'Éternel marche dans la justice. C'est pourquoi David a dit quelque chose. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Parce que c'est celui qui sert l'Éternel. Celui qui sert l'Éternel marche dans la justice, ne marche pas dans l'orgueil, ne marche pas dans la cupidité, ne marche pas, oh, selon la volonté de Dieu, ne marche pas dans la débauche, ne marche pas dans de mauvaises choses, mais celui qui sort, c'est Dieu, celui qui adore Dieu, dans un esprit et en vérité, alléluia. Oh yes, ce n'est pas celui qui regarde tout le temps l'argent. Parce qu'il y a des gens, c'est un serviteur, mais lui, s'il n'a pas l'argent, il n'y a pas une prière. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas la faire. Mais celui qui cherche Dieu ne regarde pas d'abord l'argent. Parce que tu peux manquer l'argent, tu peux manquer tout, mais tu ne peux pas manquer Jésus-Christ. Parce que celui qui a Christ a la vie. Celui qui a Christ a tout, ma sœur. Cherche à ce que Dieu puisse te reconnaître. Ne cherche pas à ce que le monde te reconnaisse. Combien de gens on a chanté aujourd'hui? On a chanté depuis 80. On a chanté en 2000. Aujourd'hui, ils sont rien. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que l'élévation était du monde. Cette élévation n'était pas de Dieu. Dieu me cherche à ce que Dieu puisse te reconnaître. Ne cherche pas que le monde puisse te reconnaître par tes prédications, par tes lives, par des versets bibliques. Toi qui vas lire tout le temps, mais cherche à ce que Dieu puisse te reconnaître. C'est là que Dieu va témoigner encore ton nom. C'est là que Dieu va témoigner ta vie. C'est là, lorsque les démons te verront, ils vont fuir, ils ne vont pas résister. C'est pourquoi tu cherches les démons, mais ils ne parlent même pas. Parce qu'ils savent que toi, les choses des démons t'appartiennent aussi. Les choses du diable te regardent. Il ne peut pas partir. Oh, la Bible déclare, mon bien-aimé, oh, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. La Bible déclare encore, le Saint-Esprit se saisira et tu changeras. Lorsque tu as l'Esprit, tu ne peux pas être pareil. Parce que notre esprit, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'Esprit, mais l'Esprit est déjà attristé. Alléluia. L'opération sera difficile. Alléluia. Bien, mais cherche à ce que Dieu puisse te reconnaître. Oh, cherche à ce que Dieu puisse te reconnaître. Tu seras béni. Tu seras élevé. Oh, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, cher Saint-Esprit. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Yahweh, pardonne ses péchés. Pardonne, Seigneur Dieu. Laisse que le sang et que l'Esprit de l'Éternel puissent prendre le contrôle, la possession, afin que mon frère et ma sœur puissent accomplir ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de distraction, tout esprit du diable éternel qui veut détruire l'avenir, le futur, oh, de ma sœur et mon frère, sors de sa vie maintenant. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.
sobobe yawe anisa yawe zaya motote u na komi ko comprendre mon. Waouh, c'est super. Floron musical. Ah oui, ça c'est bon, c'est super. Floron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali ke ba jalou ba sala wewe bazwa zero TV, une chaîne pour édifier. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Telecom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na Bwala Kutala Babuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Mutima Sakrini, ex-avenue Kasai, dans la commune de Basoko, au centre-ville de Bandundu. Les Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.
Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sûr. Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence.